Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve pour parler du crochetage de serrure, du déverrouillage dans Hogwarts Legacy. Vous voyez face à moi que je peux déverrouiller cette serrure. Vous en avez sans doute croisé de nombreuses comme celle-ci qui vous ont peut-être frustré d'ailleurs, puisque ça n'arrive pas tout de suite dans l'aventure, le crochetage. Il va falloir en fait avoir la quête annexe de Monsieur Moon qui a en récompense Allo Omar. Donc si on va sur les quêtes, juste ici, on voit la récompense, vous voyez par exemple Bombarda en récompense. Donc quand vous avez Alohomora en récompense, eh bien c'est que c'est la bonne quête. Donc on va voir ensemble comment on crochète une serrure et ensuite je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce qu'il en est, un petit conseil par rapport au statut de demi-guise, puisque vous allez en avoir besoin pour pouvoir monter votre niveau de crochetage. Donc une fois que vous avez votre Alohomora, la première étape, du coup comment déverrouiller? Puisque c'est pas forcément hyper immédiat la compréhension de cette étape là. Donc en fait vous avez deux cercles, le grand cercle vert et le petit cercle rouge. Le grand cercle vert qui est là, le petit cercle rouge qui est là. Chacun des deux est lié à une des lumières. Quand je vais sur le vert, vous voyez que la lumière verte va sur le cercle extérieur vert. Quand je vais sur le rouge, la petite lumière rouge va sur le cercle intérieur rouge. À la manette, c'est avec les sticks que je déplace d'abord la lumière vers l'extérieur, puis que je tourne, donc avec le stick gauche et le stick droit. Au clavier, ça va être du coup, clavier souris, ça va être avec les touches, d'après mon chat, c'est avec A, Q, E, D. Donc vous avez deux touches liées à chaque cercle. Et donc l'objectif, ça va être pour chacun des deux cercles, de trouver la bonne position qui permet d'ouvrir la serrure. Donc si je prends par exemple le cercle vert, et je tourne, vous voyez à un moment, en bas à droite, ça se déclenche. Ça veut dire que ça, c'est la bonne position pour le cercle vert. Tout le reste, ça marche pas. C'est vraiment ici que c'est bon. Si je prends le rouge, que je tourne, je tourne, je finis par trouver, hop. Au milieu, on voit que la bonne position, c'est ici. Et donc, si je combine les deux, ma serrure est ouverte. Voilà, bonne chose de faire. Et donc je vous disais, les statuts de demi-guise, puisque vous allez en avoir besoin pour monter en fait le palier de votre déverrouillage. Et donc un conseil, une vraie recommandation que je vous fais, c'est d'aller dans chacun des villages, parce que dans chaque village, vous en avez une de disponible. Vous voyez là en bas à gauche, 0 sur 1 statut de demi-guise. Alors sur les autres villages, j'ai déjà fait, hein, 1 sur 1, 1 sur 1, mais chaque petit patelin a une statue. Et l'avantage par rapport au fait de les chercher dans Poudlard ou Préolard, c'est que c'est tout petit, les hameaux. Donc c'est un gros gros avantage, et du coup comme ça je vais vous refaire aussi une démo du fonctionnement. Alors il y aura une petite ellipse parce que Monsieur Moon vient justement de me parler, donc je vais éviter de vous spoiler la fin de sa quête. Et donc la chose que je voulais vous montrer également, c'est que quand on est de jour, si je fais la détection, on ne voit pas là de statue. Parce qu'en fait, vous pouvez les détecter que si vous êtes la nuit. Donc si vous spammez votre sort de détection en journée, ça ne va pas vous aider à les trouver. Donc il faut vraiment faire attention à être de nuit. Et là, hop, tu es voilà qui voilà. Présent, demi-guise. Une statuette de demi-guise. Juste ici. Et je vais également vous refaire un crochetage. Comme ça, vous aurez deux explications. Allô, sur un Mora. Niveau 2. Qui ne change pas la difficulté. Donc cercle vert, je tourne jusqu'à trouver en bas à droite quand ça brille. Parfois il faut un petit peu hop, affiner. Cercle rouge, je tourne jusqu'à voir au milieu que ça bouge. Et c'est bon, et c'est crocheté. Voilà du coup pour l'explication de comment crocheter, comment obtenir le sort de crochetage. Petit conseil sur les statues. Sort tout droit d'un livre d'histoire. Elle aime bien commenter ce qui se passe. Hein. J'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite une belle aventure et je vous dis à très vite.